il est où? Bon, Pascal, on vous imagine toujours un peu chafouin de commencer la saison par une défaite. Et en allant gagner à Amiens, quand même, ça vous a évité une semaine un peu moins tendue, on dira. Ah ben oui, forcément. On attaque par une défaite à la maison, où, sur la première mi-temps, on maîtrise bien, et puis la seconde mi-temps, on est complètement passé à travers. Et donc, les semaines sont plus tendues quand il y a des défaites. Après, on a bien réagi à Amiens, on espère continuer. On entend souvent la phrase, hein, mettre les ingrédients. Hein. Ce MHSC là, il ne peut pas se permettre de ne pas les mettre. Ben, disons que les ingrédients, mais ça c'est à tous les matchs, toutes les équipes doivent le mettre. Après, c'est surtout respecter l'organisation. Chaque joueur doit être à sa place. Et puis, ce qui n'a vraiment pas été le cas sur le mi-temps contre Dijon. En première mi-temps, on est bien en place, on respecte les consignes. Et puis, à la seconde mi-temps, alors bon, il y a la fatigue, la chaleur, le désir de bien faire. On peut tout mettre. On peut mettre ce qu'on veut, mais si on ne respecte pas une organisation, c'est difficile. En Ligue 1, c'est difficile. Un journaliste après match est allé un peu dans la comparaison avec le style de l'équipe de France. Il a bien ajouté, hein, toute proportion gardée. Mais c'est vrai qu'on voit chez les Bleus des ressources et des valeurs dans lesquelles vous, le staff, vous allez puiser depuis un an. C'est dans cette abnégation, dans cette envie de bien défendre ensemble. Oui, l'équipe de France, au départ, ils savent que c'est peut-être pas la meilleure équipe au monde, mais avec une organisation solide, une base défensive costaud. Après, ils ont des joueurs pour faire des exploits individuels. Et donc, mais il y a beaucoup d'équipes qui résonnent comme ça, c'est-à-dire une bonne base défensive et puis après exploiter les qualités des attaquants. Mais voilà, bon, Paris Saint-Germain, c'est à part, Barcelone, c'est à part, Manchester City, c'est à part, le Bayern, voilà, toutes ces grosses équipes, c'est à part. Autrement, après, les autres équipes, s'il n'y a pas une base solide, c'est difficile. Bon, Deschamps, il aurait pu régaler la planète avec les joueurs qu'il avait à disposition. C'est de l'étranger, c'est certaines remarques qui sont ressorties. Mais il n'aurait peut-être pas gagné le trophée. Avec vous, il faut davantage y voir du pragmatisme, dans le sens que vous avez trouvé le système qui correspond le mieux aux joueurs que vous avez. Et qu'il ne faut pas se prendre justement pour le Barça, City, et savoir raison garder, comme disait souvent Michel Messi. Oui, après c'est suivant aussi la qualité des joueurs, l'effectif, le système. Si on a un effectif qui est plus à l'aise à 4, en 4-4-2, en 4-2-3-1, enfin en 4-3-3 ou à 5, voilà, c'est la force de tes joueurs qui fait qu'à un moment donné tu détermines ton système. Voilà, et donc l'équipe de France, il a fait des matchs de préparation en losange au milieu. Voilà, il a vu que ça allait pas, et il est passé en 4-3-3 et il a mis chaque joueur, je pense, à leur poste et là où c'est qu'ils étaient le plus performants. En fait, c'est la recherche, c'est ça, c'est de mettre les joueurs dans leur force, pas dans leur faiblesse. Est-ce que ce système à 5 chez vous derrière, ou à 3 plus 2 de latéraux, ouais, qui monte, selon l'interprétation, est-ce que ça se faisait à ton époque de footballeur et... Oui, c'est... Nous, il y a eu saison, notamment quand c'est Jean-Louis, même avec Michel, on jouait à 5, à 4, à 5. Oui, c'est pas d'ailleurs Jean-Louis qui l'a fait un peu la première fois en France, hein. Ça fait des années 90. Oui, mais il y avait quand même quelques équipes qui pouvaient évoluer comme ça aussi. Hein, et nous, c'est vrai que sur une certaine période, notamment... la saison où il y a le fameux 5-4 à Marseille, là, souvent on jouait à l'extérieur, on jouait à 5. Est-ce que tu te reconnais un peu en Ruben Aguilar? Ben, ouais, après on m'en a parlé aussi, on m'a dit, Ruben, j'ai l'impression de te revoir jouer. Bon, ben, c'est bien, ça fait plaisir. Il a fait une très belle saison, maintenant il faut qu'il arrive à confirmer. Après, c'est un gamin qui travaille énormément, donc je ne me fais pas de soucis pour lui. Je pense qu'il va confirmer.
On te voit souvent échanger avec lui avant les entraînements, pendant Oui, l'entraînement, par la force des choses. voilà, par rapport au poste, bien sûr, c'est lui donner quelques petits conseils. Après, c'est vrai qu'après, on n'est pas sur le terrain. Des fois, il ressent des situations que nous, on ne ressent pas pareil sur le banc. Voilà, mais bon, il y a un échange. De temps en temps, on montre des images vidéo. Et puis surtout, il est demandeur. Il est demandeur et ça, c'est intéressant. Samedi, c'est Saint-Étienne hein, qui arrive à la Mosson. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un peu la bête noire hein, sur les 5 dernières saisons, à part la victoire d'il y a 2 ans. Ouais. Dimanche après-midi, c'est 4 défaites, dont celle de la saison dernière. Comment tu l'expliques? Ben, disons que, après, oui, par rapport au résultat sec, c'est notre bête noire. Après, il y a les matchs. L'an dernier, on perd 1-0. Je pense pas que ça soit mérité. On a une opportunité d'égaliser sur pénalty, même si Ruffier l'arrête. Après, on a des situations. Il y a d'autres matchs où nous étaient largement supérieurs. Et puis, bon, on va voir cette année, mais bon, je pense qu'il y a moyen de casser cette spirale négative. Et il faut renouer avec le succès à la Mosson parce que ça fait un petit moment qu'on n'y a pas gagné, quoi. Quel est le souvenir d'un Montpellier-Saint-Étienne à la Mosson que tu gardes en tant que joueur et en tant que membre du staff? Un en tant que joueur et un en tant que membre du Dans le staff. souvenir de Alors, sur les deux postes. en tant que joueur, une année où on gagne 4 ou 5-0. Ça, je pense que c'est l'année où on remonte. Hein. Roger, je crois, met le triplé. À titre individuel, bon, ça fait très longtemps. On perd 3-1 à Saint-Étienne, je marque une volée pied gauche, c'est en 83, je crois, ou 84. Et ensuite, en tant que sur le banc, c'est l'année du titre, où Olivier Giroud met ce but à la 89e ou 90e devant la butte là, de volée. Et que derrière, ils ont une grosse occasion pour égaliser sur un coup de pied arrêté. Et donc, voilà, c'est des matchs tendus. Et, voilà, en tant que membre du Dans staff. ce genre de match, quasiment dans les dernières minutes, et sur un but venu d'ailleurs, c'était le signe que rien ne pouvait vous arriver cette année. C'est le genre de match qui vous fait croire encore plus en vos chances. Ben, disons que, oui, après, le geste, il faut le réaliser. La volée, il faut être 0-0 parce que il y avait une bonne équipe à Saint-Étienne. Voilà, c'est vrai qu'on dit c'est des signes qui ne trompent pas, mais en fait je retiens le geste d'Olivier Giroud, la volée, quoi. C'est un geste d'attaquant, les 18 mètres. Voilà. Samedi, ils auront un suspendu. Par la force des choses, si vous dites que Cheka a été expulsé dimanche, un blessé déjà connu, mais le petit Cabella sera bien là normalement. A-t-il fait le bon choix selon toi d'y signer après avoir été en prêt la saison passée? Oh bah alors là, c'est pas à moi ouais. À dire s'il a fait le bon choix ou s'il a fait le mauvais choix. Lui, il a fait son choix. Ouais, je pense qu'il s'est régalé la saison dernière et donc voilà, il a voulu continuer l'aventure. C'est à lui qu'il faut y poser la question. Bon, on parlait de Rémi, parce que tu les as bien connus, ces jeunes, c'est Cabella, Stambouli, Belanda, Martin, cette génération 90 qui fait une carrière honorable. Est-ce que la dernière gagnante de la Gambarde en 2017, ici au MHSC, fera la maille selon toi, ou il lui faut encore beaucoup de travail pour espérer déjà prouver avec vous, que ce soit aux entraînements et peut-être un jour en match? Oui, c'est certain que ce n'est pas les mêmes générations. Ils ont gagné la Gambardella aussi, mais il y a moins de talent individuel au départ et ils sont moins prêts à jouer avec nous à l'heure actuelle que ne l'étaient les 90. Donc voilà, il faut encore qu'ils travaillent. Bon, on a Nico Cosa qui a commencé l'an dernier. Après les autres, c'est plus difficile, mais bon. Il y en a, il faut laisser un peu plus de temps que d'autres. Mais bon, là, cette génération-là, c'est vrai qu'il faut leur laisser du temps quand même. Pour revenir à Saint-Étienne, quel type de match tu t'attends avec le staff et quels sont un peu
les forces de ces Verts dont il faudra se méfier, même si tu ne vas pas dire les forces et les faiblesses non, mais quelques jours du match. Mais... C'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui savent gérer les situations, mettre le rythme au match qu'ils veulent. Donc voilà, ce sont des joueurs. Il y a beaucoup d'internationaux. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Maintenant, nous, on se doit de tout faire en étant bien sérieux pour le gagner. Voilà, on va essayer. On les a vus jouer dimanche, même s'ils ont joué à 10, ils ont quand même cette capacité à gérer des situations où justement cette expérience fait que ils sont sur deux. Voilà, c'est une équipe sûre d'elle et il y avait de très bons joueurs. Bon, comme la saison passée, il y a quelqu'un en face qui est au moins aussi pas l'air que toi dans l'âme et le cœur, c'est Jean-Louis Gasset. Oui. Que peux-tu nous dire sur lui et même Ghislain qui a fait longtemps partie de la maison aussi. Oui, alors, ben, ils font du très bon travail là-bas. C'est, les joueurs ont l'air de prendre du plaisir. Eux en prennent aussi. Donc voilà, pour eux c'est bien. Pour eux c'est bien. Et bon, j'espère que samedi soir, ils seront tristes. Si tu avais un souvenir qui te revient sur chacun des deux, ça serait lequel, une histoire qui t'a marqué alors leur période la plus lointaine ici à La Paillade ou même récemment? Ouais, la période avec Jean-Louis, c'est quand je suis arrivé que je commençais à jouer avec lui. Voilà, il jouait libéro, je jouais latéral. Et Ghislain, c'était le coach adjoint d'Aimé Jacquet. Voilà, il y a beaucoup de souvenirs. Et ça fait longtemps, donc ça fait une trentaine d'années qu'on se connaît, qu'on se côtoie et puis qu'on s'apprécie. Quand vous vous retrouvez autour d'un verre ou d'un repas, quelles histoires vous aimez vous rappeler? S'il y en a une que à chaque fois vous la racontez? Je sais pas parce que... Il y en a tellement peut-être. Ouais, voilà, il y en a et c'est sur le moment où chacun ressort une connerie. Mais il y en a tellement qu'il n'y en a pas une bien précise. Ça t'avait fait quoi de retravailler justement après tant d'années avec presque 20 ans avec, ouais. Mais oui, ça a été court, mais ça t'a procuré quoi comme sensation? Ça m'a procuré, ça m'a remémoré des souvenirs. Après moi, en tant qu'adjoint, j'avais travaillé avec Jean-Louis, puisque moi j'ai toujours côtoyé Jean-Louis, c'était mon coach. L'année 98 ou 99, bon, Ghislain, j'avais travaillé avec lui, avec Gégé Bernardet, donc c'était différent. Mais bon, après, en connaissant le personnage, il n'y a pratiquement rien qui a changé. Quoi. Deuxième saison avec un autre historique de La Paillade, Michel, ouais. Derzakarian. Ouais. Vous commencez petit à petit à... Ouais, vous avez joué tant d'années ensemble que... Oui, mais même l'an dernier déjà, en cours de saison, ça fonctionne bien. Et on essaye. Après, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a quand même 30 joueurs. Mais on essaye d'avoir... d'avoir une ligne cohérente et essayer de faire une équipe la plus performante possible, avec le staff, voilà, avec tout le monde. Le MHS a besoin de travailler avec ses anciens. C'est une fabrique maison, une obligation, une... Non, mais c'est le boss qu'il avait mis en place, et voilà, Laurent est là-dedans aussi. C'est des personnes... que ce soit à la formation, en pro, à la préformation, ce sont des gens que le boss ou Laurent a connu en tant que joueur et donc ils connaissent les personnages et voilà, donc ça fait partie de la qualité de ce club. Ouais. Est-ce que comme Laurent dit, tu penses aussi que c'est plus facile de... Et ça va plus vite aussi dans les relations, de travailler avec des gens qu'on a connus déjà par le passé
et avec qui on s'entend bien, mais pas pour dire que vous êtes mal entendu avec les précédents. Non, non, mais après, c'est vrai que c'est pas évident aussi pour un entraîneur de l'extérieur qui arrive et qui sent qu'il y a cette osmose. Voilà, donc lui, il ne connaît pas forcément, donc il peut être réticent, mais voilà, en sachant très bien que. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bien de l'équipe et du club. T'évoquais le boss, est-ce qu'il te manque? Ben forcément, il manque à tout le monde. Ça fait un an maintenant. Et donc, oui, il manque, alors que ce soit par ses excès de générosité ou par ses coups de gueule ou simplement sa présence dans le vestiaire, bien sûr que ça manque. Bon, vous aurez certainement mis un petit coup de pression pour gagner Saint-Étienne. Oui, mais bon, ça faisait partie de son intelligence. C'est-à-dire qu'il savait quand mettre la pression, il savait quand ça allait, quand ça allait pas. Et voilà, c'était quelqu'un de très intelligent. Donc il savait quand il le faisait, il savait que c'était le bon moment à faire. Bon, Laurent était là dès la fin du match dans le vestiaire à Amiens pour ouais. rappeler ce match face à Saint-Étienne qu'il ouais. fallait bien bosser cette semaine pour ouais. essayer de le gagner, tel père à tel fils, on dira. Oui, et puis bon, après c'est vrai que pour bonifier le match d'Amiens, voilà, ça passe par des performances à domicile. Autrement, ça va être une saison difficile. L'an dernier, on a gagné 5 matchs à la maison et c'est insuffisant. À un moment donné, on prétendait jouer les places européennes, mais en gagnant que 5 matchs à la maison, c'est pratiquement impossible. Bon, encore à tes jours, hein, pour reprendre une expression du rugby, un sport que tu affectionnes particulièrement, il faudra être bon dans les fondamentaux, pour conclure. Oui, mais ça, c'est la base de tout sport, que ce soit au rugby, au foot, au hand, au basket, voilà, c'est gagner les duels, être agressif, bon, mais ça c'est dans tous les sports comme ça, quoi. Ça doit être une base, voilà. Ça leur paraît tellement évident qu'il faut les mettre, c'est ouais, fondamental. Comment oui. t'expliques que ça... Ça échappe à l'équipe de temps en temps. Ben, ça échappe à l'équipe, ça échappe pas qu'à notre équipe, ça échappe à beaucoup d'équipes. Ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par rapport à un résultat ou par rapport à sur un match, on sent qu'on est bien, on sent et il y a moins de concentration, il y a moins d'application. Voilà, c'est des petits signes qui font qu'à un moment donné, le match est en train de basculer dans le mauvais sens. Ou inversement, c'est dans le bon sens, comme à Amiens, où on y met ce qu'il faut pour de la concentration, de l'application. Tout n'a pas été parfait, mais il y avait ce socle-là auquel on peut s'appuyer. Pour conclure, il y a eu de belles heures à la Mosson, des grands matchs face à Saint-Étienne, de la Coupe des oui. premières heures, ouais, ouais. un championnat. Ouais. Pour conclure, de quel œil tu vois cette arrivée du nouveau stade, certainement dans un bon, nouveau quartier, pas très loin d'ici? C'est une nécessité selon toi aussi, qu'a tout vécu dans cette Mosson? Oui, je pense que le club a grandi par rapport aux structures de camp d'entraînement, du centre de formation, de tout ce qu'on veut, mais maintenant, je pense que c'est quand même quelque chose de vital pour faire encore grandir le club. Voilà, faut pas oublier que c'est un club qui est quand même relativement jeune, mais il faut quand même maintenant avoir, parce que maintenant il y a beaucoup de, c'est des spectacles, donc il faut que les gens soient bien installés, à l'abri de la pluie bien sûr, et puis c'est plus juste un stade, il y a une vie autour, voilà, c'est devenu comme ça. Il y a de très beaux stades qui se sont montés en France et donc c'est ce à quoi tend maintenant le foot, quoi. C'est-à-dire que il y a le match, mais il y a l'avant-match, il y a l'après-match, voilà, c'est comme ça
que ça se passe maintenant.